Il a beaucoup hésité, mais finalement, le capitaine quitte le navire vendéen. Sébastien Flochon, 25 ans, le capitaine emblématique de la formation des Herbiers, relégué en N2 en fin de saison dernière, finaliste de la dernière Coupe de France, s'en va. Il rejoint Chambly, National, formation qui s'était inclinée, 2-0, en demi-finale à la Beaujoire contre les Herbiers il y a quelques semaines, celui qui est un ami d'enfance de Samuel Umtiti. Ils ont été formés à l'OL ensemble, a publié ce mercredi un communiqué sur les réseaux sociaux. Après une longue réflexion, je vous annonce officiellement que je ne serai plus joueur au VHF pour la saison prochaine, et que j'ai donné mon accord au FC Chambly. Je tiens à remercier le club, tout le staff, mes coéquipiers et tous les magnifiques supporters vendéens pour ces deux saisons et cette aventure extraordinaire en Coupe de France que je n'oublierai jamais. Je souhaite le meilleur au VHF. De nombreux départs aux Herbiers. Pour rappel, après la finale perdue contre le PSG, le club des Herbiers avait été relégué en N2, de nombreux « héros » de l'épopée vendéenne sont donc partis. Mathieu Pichot, le gardien de but, a ainsi rejoint Bourg-en-Bresse, National, et trois autres joueurs: Guillaume Decker, Diaranké Fofana et Joachim Aikmaier retrouveront Sébastien Flochon à Chambly, National.